que ceux qui me regardent et qui ont déjà fini le jeu savent aussi de quelle séquence on parle. Alors, il est où petit? Ah, tu es là. Et bim! On va passer d'un niveau d'ailleurs, ce sera ça fait. Alors, un peu plus de santé encore. La destruction, la guérison, l'altération, l'enchantement, le forgeage, l'armure lourde, la parade. Non, les deux mains, oui. Je ne peux pas. Là, qu'est-ce que je peux faire? Les attaques puissantes avec une arme à deux mains consomment 25% de moins de vigueur. Ah bah carrément, vu que j'arrête pas d'en faire. Et bah voilà, hop. Carrément, c'est ce que je fais tout le temps là, avec mes coups où je les blatte en une main. Si c'est 25% de moins de vigueur, ça veut dire deux fois plus de coups puissants, deux fois plus de squelettes pétés. Deux fois pour... Oh mon dieu! Ah oui, je sais. Alors là, si je me souviens... Voilà, ça ouvre les portes, vous voyez, dans un certain ordre, il va falloir que j'aille très vite, il va falloir que j'utilise normalement le Wold. Le Wold qui est l'impulsion. Et normalement, ça devrait marcher. Donc je cours très vite, je cours très vite, je cours très vite, je cours très vite. Et là... Mais merde, ça a pas marché. Putain, c'est pas possible. Est-ce que je vais y arriver? Ou alors est-ce qu'il faut faire Wold avant et courir vite après? Yes. Ah non. Bah merde alors. Ou alors faire un double Wold? Wold. Je pense pas que je puisse hein. Alors. Attends. On se concentre. Wold. Bah si je pouvais là, eh. Oh les salauds. Oh, ça commence à me gaver ça. Ouais, vas-y, je passais là. Bon, on va pas rester bloqué là 3 heures, c'est pas possible. Restons concentrés. Allez, bim, alors, il est où le problème? Voilà, double Wold. Je suis passé. Comme dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Je suis passé. Référence. Regardez-le, Indiana Jones, c'est la dernière croisade pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, ceux qui l'ont pas vu, c'est pareil. Hein. C'est une hérésie, c'est direct dans le bûcher devant là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je marche sur des stèles qu'il faut pas. Ok, il faut rester sur les blanches. Ok. Là, je dirais qu'il faut marcher sur le rocher du coup. Et là, je dirais qu'il faut rester sur le rocher. Et là, je dirais qu'il y a une grosse araignée. J'aime bien le mec qui est super lucide. Et là, je dirais qu'il reste une grosse araignée qui est en train de bouffer ma KB que je viens de niquer d'un coup. Par contre, il y a la maman qui va arriver, non? Je t'ai raté complètement. Je t'ai re-raté, arrête de bouger. Ah, elle arrête de bouger. Elle va venir là, non? Ok, je te vois. Il y a juste l'angle qu'il faut. Bim, allez. Et la maman, elle vient pas. Donc c'est tant mieux. On court, 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 on court. Aïe, 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 feu, feu, souffrance. Souffrance extrême, ça va. Je m'en sors bien. Ah bah tiens. C'était marrant, je disais que la maman allait arriver. Et voilà. Mais c'est que tu fais mal en plus, toi. Ouais, mais c'est pas pour rien, voilà. Ça fera du beefsteak. Ah, allez, je te prends ton venin, tiens. Ah là, ça t'apprendra, saloperie. Prendre le soin. Oh. Le mec qui plante la divinité. Oh. On dirait vraiment qu'il prie comme... Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais trop loin, d'accord, pardon. Autant pour moi. Je me suis dit pourquoi il arrive plus à couper. Le gars trucide des squelettes et des araignées en deux coups. Par contre, il arrive pas à... On ferme la porte. Principe de Left 4 Dead et de Minecraft. J'ai toujours peur, moi, dans ces lieux. Oh. Et où est-ce qu'on est, qu est joli ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bord? Ouf. Ah oui, c'est vrai, putain, je me souviens, c'est sûr. Au début, j'ai flippé. Moi, la première fois que je l'ai fait, je pensais que c'était un monstre énorme. Et en fait, ce ne sont juste que de grosses statues. Et je dirais qu'on a trouvé. Ah ah ah, la corne de Jürgen par le. Des bottes de cuir. Le casque, non. Et les gantelets de cuir. Enclouté, on l'a fait au cas où. Attendez, l'armure était de 38 et là, elle est de 42. Et c'est toujours une armure légère, ça aussi c'est une armure légère. Armure lourde, ok. Donc vaut mieux garder mon armure de poupe pour le moment.
Et ça c'était 32, donc ça pue. Voilà, bon bah on va l'équiper. Et puis on va voir ce que ça donne. Puisqu'on l'avait pas changé depuis le début. Notre bravette, bon, toi avec tes bottes qui puent là. Je vais lui vendre direct. Armure de cuir, et on va peut-être pouvoir les raffiner. Bottes de cuir. Ouais, c'était mieux, hein. Et gantelet de cuir. C'était pareil, donc on va la sortir. Puisque comme c'est pareil, autant tout à sortir. Comment t'es? Ah bah t'es pas mal. Oh si, t'es pas mal. Si, si, t'es pas mal. C'est léger quoi. Attends, on te voyait mieux là, il y avait du feu. On te voyait quand même mieux. On verra mieux que le jour, je sais pas si vous voyez bien. Oups, pardon. Si, si, il est bien. Il est beau. Le fourrure faisait plus chasseur, là on est plus sur du guerrier léger quoi. Mais c'est bien. C'est bien avec ton arc, t'es beau là. Puis plus tard, si je te trouve une armure elfique, bah forcément, vu que t'es un elfe, il n'y a pas de souci, mon petit père. Tu l'auras ton armure elfique. Est-ce que je peux au moins améliorer? Voilà, ce sera déjà ça, parce que là, on va jamais s'en sortir. Sinon, si j'améliore pas son équipement, hop, un gantelet de cuir, c'est bon. Et j'améliore en plus mon forgeage, donc c'est très bien. Et je ne vole rien, parce que je ne suis pas un voleur. On va aller dormir à l'auberge. En plus c'est très bien, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est super ça. N'est-ce point parfait. Auberge du géant endormi. Eh bien oui, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est elle qu'il faut que je parle en plus. Bah, avant je vais dormir, t'es gentil. Je vais te demander une chambre, toi. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Tiens, je vais utiliser ton laboratoire chimique. Vous savez comment vous en servir? Oui. Mélangez quelques ingrédients et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se produit. J'ai pas d'ingrédients. Ok, c'est pas grave. J'ai pas de tomates et tout ça. C'est con, j'aurais pu faire un peu de potions. Bon, j'aspire pas à devenir un maître des potions. Je suis tellement nul. Tu peux me donner une chambre, s'il te plaît? Je cherche pas à me faire de nouveaux amis. Qu'est-ce que vous avez à vendre? À boire pour la soif, à manger pour la faim. Mais qu'est-ce que t'as à vendre? Ah oui, voilà. J'ai cru que ça n'allait pas s'ouvrir. Bah si, j'ai de la nourriture, des carottes et tout. Du pain. Les bières, je les garde. C'est important pour la vigueur. Ouais putain, rien d'autre à vendre que cette merde quoi. En ingrédients t'as quoi? Vas-y, je te prends un tas de sel. Je te prends des champignons. Bon, j'ai 1900 d'or. Pour engager un mercenaire, ce serait bien. Je te prends du blé, de la cloquerie, de la farine d'os. L'huile d'Oemer, hein, quand même. Le mec il a allé chercher l'huile d'Oemer. Je crois que tu l'as eu mais... Ragnar? Non, pas de bol. Oui bon, j'ai essayé de faire de la potion. Allez, alors on met du blé, on met de la cloquerie et on met de la farine d'os. Qu'est-ce que ça fait? Oh, créer poison, pénalité de vigueur. Effet. Oh, j'ai découvert un super truc. Et... voilà, fabriquer une potion. Ça y est, j'ai terminé. Fiole d'écaille et tas de sel. Oh, encore un truc. Je suis super fort en fait. Vulnérabilité à la magie. Mais il est super ce truc. Ben voilà, je me suis découvert un deuxième talent, un elfe chasseur rôdeur potion. Maître des potions. Je voudrais bien dormir en plus, mais il veut pas me donner de chambre, il faut vraiment que je parle à l'autre. Ah non, il veut pas, ça doit être que elle. Bon bah écoute, je vais te parler directement, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Hors de mon chemin. Tenez, vous boirez un verre à ma santé. Vous avez de la bière ou de l'hydromel? Ben oui, voilà. Vous avez de la bière ou de l'hydromel? Je viens de donner quoi du con? Voilà, je viens de te donner deux bières, trois bières, le mec il est... Non, je dois te parler. Ah, je voudrais louer la mansarde. Non, je voudrais louer une chambre, normalement. Bon, ça se trouve, on va me dire que c'est très con parce que j'aurais dormi dans tous les cas. Alors, vas-y. Elle est où? Elle me dit même pas où est ma chambre, cette conne. Je crois qu'elle est là. Hein. C'est là la dernière fois que j'avais dormi. Fermons. Non, c'est pas là, il y a quelqu'un. J'ai pas envie de dormir dans le lit de quelqu'un, moi. Je veux dormir, tout court, c'était ici. Voilà, lui. On va dormir 6 heures. Ça lui fera du bien. Pauvre petit, là. Il a pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Là. Voilà, ça, on se lève à 11 heures, c'est très bien. Rouvrons la porte. Pardon. Là, il est avec son balai d'Harry Potter. On y va, Delphine. Delphine, quel nom. Allez. Alors, c'est vous qui... Oh, vous vouliez la mansarde? Le problème, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de mansarde. Ah. Mais je crois savoir de quoi vous parlez. Entrez et faites comme chez vous.
D'accord, l'air au courant. Bon. Alors, où est-ce qu'elle est la mansarde? C'est ici? Il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Ah bah du coup, je reprends une chambre, je redors là. On va dormir, hein. Une heure. On va faire l'affaire. Vous êtes donc l'enfant de dragon dont j'ai tant entendu parler. Oh! Je crois que c'est ce que vous cherchez. Elle m'a donné quoi? Ah, elle m'a donné la corne, c'est elle qui avait la corne. Mais elle savait tout en fait, cette meuf. Pardon, cette fille. On enlève tout, on enlève l'épée. Comme ça on le voit bien, regardez. Il est beau, il est fier, il est grand. Il est en cuir. Attention! Ce serait dommage que tu te fasses mal. Wouah, passage secret! Ajoute à ce plan qui a te fait des trucs à la bas de cave, t'es. Déchéance, ça n'apprend rien. C'est bien dommage, le coffre, il y a quoi dedans? Parfait, de l'or, sans la voler. La peau de chevreuil. Et une robe bleue. Magnifique tout ça. Alors on va lui parler. Ce sera fait comme ça. Je peux fermer ou pas? Ah non, on peut pas. Ouh! Bah voilà, hôtel d'enchantement, super. Il y a un coffre ici. Pareil. Oh, du parchemin, de la poisson, je prends tout. Mais il y a du stuff de fou là! Espadon, c'est pour moi ça! Oh! Épée de lame. Non, épée d'acier. Mais l'espadon, je le prends, l'espadon orc. Oh là là, il va me faire tellement du bien lui. Hop, tes flèches, te les prends. Laboratoire alchimique de fou. Les grises barbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. J'espère qu'ils ont raison. Eh oui. J'espère que vous entendez bien. Même si vous entendez bien, vous avez toujours moyen de lire. Mais si vous entendez, c'est encore mieux. Les grises barbes ont raison. C'est vous qui avez pris la corde. Je surprends. Je crois que je simule de mieux en mieux mon emploi de petit aubergiste inoffensive. Oui, carrément, oui. Pourquoi tout ce mystère? On n'est jamais trop prudent. Le Talmor a des espions partout. Que me voulez-vous? Je ne me suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête. Il fallait que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège des Talmor. Oh mon dieu! Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la corne. J'essaie de vous aider. Comme je l'ai dit dans mon mot, j'ai entendu dire que vous étiez l'enfant de dragon. Eh oui. Je fais partie d'un clan qui vous recherche. Ou qui recherche quelqu'un comme vous depuis très longtemps. Mm-hmm. Enfin, si vous êtes vraiment l'enfant de dragon... Avant que je vous en dise plus, je dois être sûr de pouvoir vous faire confiance. Bah tu peux parler toi, l'autre. Et moi comment savoir? Ouais voilà, ouais. Pourquoi avez-vous pris la corne? Pourquoi cherchez-vous un enfant de dragon? Voilà. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient. Que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. D'accord. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. D'accord. En êtes-vous capable? Pouvez-vous dévorer l'âme d'un dragon? Bah oui. Bien. Oui, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais un enfant de dragon. Rappelez-vous l'épisode du dragon. Ah là là. Pourquoi cherchez-vous un enfant de dragon? Vous dites que les Talmor en ont après vous, oui, voilà. Nous sommes de vieux ennemis. Et les Talmor, je précise pour ceux qui ne savent pas, ce sont des elfes, des hauts elfes. Ça ne dit pas des hauts elfes. Des hauts elfes qui ont signé un traité, justement, il y a un bout de temps. Bon, CF, vous lirez des livres ou allez chercher sur Wikipédia, Skyrim, les Talmor, ils vous expliqueront tout. Ce n'est pas simplement que... Et qu'est-ce que vous oubliez de me dire? C'est qu'ils reviennent à la vie. Oh. Ils ne se sont pas absentés pendant toutes ces années. Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs. Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie. Oh mon dieu. Je veux que vous m'aidiez à mettre fin à ça. Ok. Hum. Vous vous rendez compte que ça a l'air totalement incroyable? J'ai dit presque la même chose à un de mes collègues. Il s'est trouvé qu'il avait raison. Et moi tort. Est-ce qui vous fait penser que les dragons sont en train de revenir à la vie? Vous allez voir les vieux tertres où étaient enterrés les dragons. Et je les ai trouvés vides. Et j'ai découvert où réapparaîtra le prochain. D'accord. On va aller là-bas et vous tuerez ce dragon. Si nous réussissons, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Alors où allons-nous? Un dragon a été enterré non loin de là il y a fort longtemps. Si nous arrivons là-bas avant que cela se produise, nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène. Ok. Allons tuer un dragon. Je vais y mettre ma tenue de voyage. Laissez-moi une minute pour me préparer. Ok. Je t'attends. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, lire l'enfant de dragon. Oh. Ouais, bah ça va être pas trop... Vas-y, oula, il y a tout à lire. Oula là. Bon, bah, je zappe. Ceux qui veulent lire, vous savez comment faire. Vous mettrez pause sur YouTube. À mon avis, celui-là, tout le monde l'a lu. Hein. C'est pas le livre le plus fou de l'année. Carte des cimetières de dragons, ça a l'air bon ça. Ah oui d'accord, comme ça je vois où ils y sont tous. Bah je prends.
Ça a pas l'air très lisible, mais il faut que j'aille vendre mon stuff avant, hein, t'es gentil, moi j'ai des trucs à faire avant. De toute façon, elle va partir toute seule, elle va m'y retrouver de toute façon au point de rendez-vous, donc il n'y aura pas vraiment de soucis. Comment faire? Le bâton de froid mordant, ouais, il va falloir que je trouve un compagnon aussi, hein, très très vite. Donc je vais aller chercher dans une auberge. Hache de Blancherive, je sais plus où il est le mage. Le mage compagnon, je crois qu'il est à Faïez. M'intéresserait bien lui. La hache de Blancherive, elle fait très très mal. Mais moi je veux l'espadon nordique. Il a l'air tellement de faire. L'espadon orc, il a l'air de faire tellement mal. Tenue. On s'en fout. Bon, j'arrive pas à trouver la carte. Mais je suis con, je sais où elle est en plus. Elle est pas dans le livre, elle est dans divers. Et voilà. Ok, on peut pas zoomer plus. Ok, on peut pas s'équiper, donc on peut pas regarder quoi. Dans le coffre y'a rien. Elle est où la nana? Elle est partie. J'ai rien à désenchanter. Si, j'ai un truc à désenchanter, j'ai lâche. Désenchanté. Voilà. Désenchanté. Et l'anneau de machin. Non, c'est mon anneau, ça. Je peux le désenchanter, ouais. Voilà, vous avez appris l'enchantement renfort d'amure légère. Voilà, et en plus, j'augmente mon enchantement. Ah, la nana est en train de parler, si vous écoutez bien. Alors, je vais enchanter... Pas mes armes... plutôt mes objets et mon anneau, je sais même pas où il est. Bah mon anneau, ah merde, je l'ai détruit carrément, merde. Il faudra que j'en retrouve un du coup. Bon moi c'est pas grave, on n'enchante rien. On va juste piquer ça. C'est pas non orc, il a l'air de faire bien mal. Et je pense que c'est le cas. Wow, calmos. C'est pas non orc, il a l'air de faire carrément bien mal. Eh oui. Plus 29 en dégâts. Bah forcément j'ai rien mis. Non, par rapport à celle-là c'est quoi? Ah non, elle fait 29 aussi. Ah parce que je l'ai raffiné. Mais si je raffine l'espadon orc, bon bah du coup on va le garder. Bon bah je garde mon épée du coup. Toi je vais te vendre. Puis elle est plus jolie. Honnêtement je préfère une vraie belle épée qu'un truc tout tordu orc. Espadon d'acier, on voit quand même du loot. Qu'est-ce qu'il y a toi? Salut l'ami. Comment allez-vous? Non, tu vas pas partir avec moi, de toute façon j'ai rien à te donner. Ah si, quoi, je pourrais t'habiller en fourrure, mais je pourrais te partir avec Sven, de toute façon t'es une coiffure de gay. Non mais c'est vrai quand même, il est un peu coiffé comme un, voilà. Faut le dire. Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage. Oui. Quelqu'un qui a vu des terres lointaines et entendu des coups. C'est bien le cas, mon gars, j'ai voyagé. Je reste pas... Oula. Pas fou, toi, de rester derrière les portes bourré. On peut voyager ensemble pour se retrouver là-bas. L'autre, elle est partie. Ah oui, elle est habillée comme moi en plus. Super, on va super vachement, on dirait une team quoi, tu sais. La team du cuir. La team du cuir. C'est tellement moche. Allez, on va aller vendre tout notre bordel au marché. Ce sera fait. Salut toi. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place. Bah ouais, tu m'étonnes. Merci. Bah oui, tu veux pas un petit bisou? C'est agréable de vous avoir là. Oh, ça commence à conclure. Vous êtes un jeune homme bien bâti. Oh! N'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, elle envoie du bois, elle. Ouais, elle aime les elfes. En plus, elle se met de dos. Mais dis donc. Lucan, nous ne vendons pas de pardon. Pardon. Je... Et non, cher sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de parler. Moi, je suis là, ils en ont rien à péter. Nous devrions. Nous pourrions avoir toutes sortes de spécialités. Eh oh, je suis là, je te rappelle. Pour satisfaire nos clients les plus éclectiques. Merci. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Ah ah, les vols à la tire, armure cloutée, armure en peau, armure lourde, on a dit qu'on n'en voulait pas. Tu vends pas des trucs de ouf, alors augmente la résistance à la foudre. Armes et armures peuvent être améliorées de 12%, ouais. Ah bon? Ah mais ça coûte un max, ah oui d'accord, oui, oui d'accord, c'est vraiment un collier de ouf qui améliore tes armes et armures de 12%. Sauf que j'ai 1800. Mais peut-être qu'avec un peu plus, je vais pouvoir te vendre. Alors qu'est-ce que j'ai à te vendre déjà? En un premier temps, je vais vendre tout mon merdier, il a 780. Mon arc impérial, mon bâton de froid, ma cimetière, la dague je la garde au cas où, on sait jamais. L'espadon arc je te le vends, les flèches nordiques je te le vends, la hache je te la vends, le marteau je le garde. La tenue, en tenue, l'amulette je te la vends, ça m'intéresse pas, la magie, l'armure de foire je te la vends, les bottes pourries de l'autre con qui me les a offert à minuit je te les offre, les bottes tamponnants. Si les bâtons je te les offre, les gants pas aussi, la tunique avec ceinture aussi, ok. Et les potions je garde. Et j'ai surtout un gros bordel à te vendre, il me reste 500. Qu'est-ce que je peux vendre à 500?
Hop, voilà, je t'ai dépouillé. En plus, j'augmente mon éloquence et je peux te vendre ça. Et là, tu peux plus du tout rien me vendre. Ok. T'as plus que 27. Vous voyez en bas à droite, vous voyez, il lui reste 27 d'or. Hein. Là, vous vous demandez où je vois. Vous voyez, l'or, là, j'ai 2006, donc du coup, je vais pouvoir lui acheter peut-être des trucs intéressants. En collier, les diadèmes ne m'intéressent pas. Ça, c'est des tenues de mage. Gantelet en peau, on a. De toute façon, je suis en cuir, donc on s'en fout. Ah, ça m'intéresse carrément, ça, quand même. Et ça, c'est quoi? Augmente la résistance à la foudre, on s'en fout. Le casque de fer, j'ai dit que je mettrais pas. Un bouclier en peau, non plus, parce que je suis à deux mains. Puis sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. En arme, t'as quoi? Ah, il y a ce que je lui ai vendu déjà. Ouais, une épée, ouais, des épées pourries, quoi. Ouais, bon, bah, ça sent le collier de ouf, là. Ça sent le collier à 1009, là. Et voilà. Donc là, du coup, je peux lui revendre du truc, puisque du coup, il a repris tous mes sous. C'est du transfert, quoi. C'est l'échange de bons procédés. Alors, divers. On redescend, je te vends mes écailles de dragon. On monte encore l'éloquence, c'est bon tout ça. Les grenats, je sais pas ce qu'on peut en faire. Alors, je vais peut-être les vendre, on va me dire. Non, les gemmes, je sais. Je sais qu'on peut mettre les gemmes, ça sert pour l'enchantement. Mais les grenats, je les vends. Hein. On s'en fout. Quelqu'un me dira dans les commentaires: hérésie, hérésie. Il est complètement fou. C'est pas grave. Allez. C'est bon, j'ai vendu tout mon bordel. On va chercher un compagnon. Et je crois que le compagnon mage. Est-ce que j'ai assez de sous déjà? Merde. Bah oui, avec tout ce que je viens de lui vendre, tu es vraiment con. Ouais. Ah non, peut-être pas. C'est 500, je crois, pour engager un mec. Combien ai-je? 981, si c'est bon. Pendant une demi-seconde, j'ai fait. Je pensais que c'était 1000. C'est pour ça que j'ai bugué. J'ai fait non. Elle est où ton... Ah là, j'allais dire, elles sont où tes flèches? C'est parti, mais là je fais n'importe quoi parce qu'on va pas partir à pied. Il va falloir qu'on reprenne l'écurie, qu'on reloue un chariot, qu'on reparte à Fayez. Mais sinon on va jamais s'en sortir les amis, hein. Sinon je vous fais ce 200 épisodes. Hein. La plupart des boutiques sont ouvertes de 8h à 20h, c'est bon de le savoir. En tout cas le barman lézard donne pas trop envie, mais sinon ça va. Puis il y a le cheval aussi, vous voyez le cheval, je vais pouvoir l'acheter quand j'aurai 5000 pièces d'or. Alors le cheval va pas être super super utile hein, parce qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment... On se téléporte tellement vite quand on a découvert un bon nombre de lieux que en fait où souhaitez-vous aller? J'aimerais bien aller à Fayez. Remontez et nous partirons. Merci. Hop, on monte dans sa petite chariote. Ne manquez pas l'hydromellerie ronce noire. Oui, d'accord. Les mammouths. Oh, il est très beau ce mammouth. Enfin, il est très beau, très très joliment modélisé. Après, en soi, un mammouth, est-ce que c'est beau? C'est à vous d'en juger. C'est une grosse peluche. Oh, écurie de Fayez. On arrive de nuit. Oh, fric, casse-monture. Qu'est-ce que t'as à me dire, ça hein? Alors, vous êtes au bon endroit. Bon, y a rien qui me fasse peur là-dehors. Ce ne sont que les gringalets qui s'abritent derrière des murailles. Oh, le mec, comment il fait son type? Je suis pas un gringalet. En fait, je parie même que j'ai les bras les plus musclés de tout bord de ciel. Ça, ça, t'as des bonnes chevilles, toi. T'es bien. Tu la pètes un peu, quoi. Tu mériterais que je te vole ton cheval, tiens. Salaud. C'est par où qu'on rentre? D'accord. C'est par là. Ah non, c'est pas par là. Ah, et c'est là.